Lundi a fait le grand plongeon. Il y a peu, elle n'aurait pas mis un pied dans l'eau. Aujourd'hui, des cours organisés au Sport City à Woluwe-Saint-Pierre lui ont permis de surmonter sa peur. Quand j'ai commencé, je leur ai expliqué que moi j'ai peur de l'eau. Ils ont dit oui, c'est pour les adultes qui n'apprennent pas, mais vous n'allez pas nager, vous allez apprendre à flotter. Et aujourd'hui, je m'amuse comme un gamin, je trouve que c'est vraiment fantastique. Depuis son cancer du sein, Chris, elle, ne nageait plus. Elle est ravie de pouvoir réapprendre aujourd'hui. Ça vous apporte quoi? Mais tout, justement. Ça va m'apporter beaucoup, vu mon cas, comme je vous ai expliqué. Non, c'est très bien. C'est une très, très bonne initiative. En Belgique, une personne sur cinq ne sait pas nager. Pour apprendre, il faut y aller pas à pas, chacun son rythme. Comme ça? La main? Non, il y a juste la respiration qu'on place. Avec des adultes, c'est pas comme avec des enfants. Donc, il faut voir d'abord où ils en sont. Et c'est pas toujours évident. Il y a peut-être des peurs qui sont ancrées depuis bien plus longtemps et les enlever, c'est très difficile. Organisé de 10 à 12 heures par tranche de 30 minutes tous les dimanches matins, ces cours collectifs sont proposés notamment à des personnes fragilisées qui ne payent que l'entrée à la piscine. On s'est dit, bien, ceux-là, ils auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce dans la vie. On commence par un module de 5. Il y en a dans les 24 personnes qui pourront nous quitter déjà après 5. D'autres, il leur faudra peut-être 10 ou peut-être 15 leçons. Tout dépendra en fait du passé. Mais en fait, on y va jusqu'à ce qu'ils puissent flotter. Les cours sont pleins jusqu'en décembre, mais pour ceux qui souhaitent s'inscrire, des places sont disponibles dès janvier prochain.